Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on n'a pas le temps, on passe à la suite. Et on se retrouve du coup pour le championnat, je vous avais dit que je vous ferais une surprise, mais vous l'avez certainement vu au début de l'épisode d'avant, j'avais pas fait gaffe. On joue contre Manchester à Old Trafford, le retour de Wayne Rooney sur le terrain de ses plus grands exploits. On peut voir rapidement le classement, on voit qu'Arsenal continue sur sa lancée avec 5 victoires en 5 matchs, 15 points, 3 points d'avance sur nous, mais nous on a un match contre Manchester United qui est avant-dernier, 19ème. 3 nuls, une défaite catastrophique. On va essayer de les enfoncer bien comme il faut. Comme ça, au moins, on repasse en tête devant Arsenal à la différence de but, je l'espère. Et nous voilà sous le soleil cuisant de Manchester. On va essayer de faire un gros match. Encore une victoire, ce serait parfait. Je pense qu'il y a quand même une grosse équipe en face, même s'ils sont 19e. Il va falloir faire attention. Alors que l'on voit la compo de Manchester avec David De Gea dans les cages. Une défense avec Valencia, Lindelof, Rojo et Blind à gauche. Milieu avec Matic et Carrick, pas de Paul Pogba. Lingard, Mkhitaryan, Rashford, pas d'Anthony Martial. Et Lukaku devant quand même, hein, l'ancien de la maison. Attention, Mkhitaryan déjà. Première attaque pour Manchester, Lukaku qui résiste là-bas sur Lingard. Le bon centre de Lingard, c'est renvoyé par Coleman. Et la contre-attaque avec Miralas. Miralas, hop, pour Sigurdsson. Sigurdsson... sur Bolasie, il a réussi à passer le ballon. C'est dans la course, c'est bien joué ça de la part de Wayne Rooney. Deuxième poteau, Miralas, on l'a vu. Le pénalty, on l'a demandé, on l'a obtenu. Ce jeu est incroyable. Demandez quelque chose, vous l'obtiendrez automatiquement. Sur cette faute, on l'a vu, hein, le tacle en retard de Lindelof, il me semble, sur Bolasie. Ouais, il est en retard. C'est dangereux comme tacle, c'est dangereux, ça peut faire mal. On fait confiance, hein, à Leighton Baines, toujours. J'ai peut-être trouvé une technique pour mieux les tirer. On va voir. Il n'était pas mieux tiré, mais il est au fond. 1-0, c'est parfait. Merci Lindelof pour cette faute. Et on le revoit, hein, le contre-pied parfait sur David De Gea. Impeccable. Allez, ça repart dans l'autre sens immédiatement. Rooney, Ghana qui n'a rien à faire là, mais qui est là quand même pour apporter son soutien. Rooney qui remet pour Ghana. Il est passé Blind. Il va centrer, Sigurdsson qui a surgi. Le bon arrêt de De Gea. Attention, c'est peut-être pas fini, si. Complètement fini. Attention Rashford avec Lingard là-bas sur son pied gauche, Lukaku, Mkhitaryan, le bon arrêt de Jordan Pickford qui nous fait un début de saison exceptionnel, le jeune international anglais, le corner à suivre de Mkhitaryan, c'est sortant, attention Lingard qui remet sur Mkhitaryan, on sort bien, Keane, attention Matic, oh encore l'arrêt de Pickford et le dégagement catastrophe de Williams, Mkhitaryan avec Rashford, oh il est passé au physique, attention le bon centre, oulolololol, encore une bonne sortie de Pickford. Et c'est la mi-temps, 1-0 sur ce penalty de Leighton Baines, penalty un petit peu chanceux on va le dire, mais bon, ça fait le taf pour le moment. Ghana qui lance là-bas, Miralas, Sigurdsson on l'a vu, mais il est pas très rapide, on va attendre peut-être le soutien de Wayne Rooney là-bas, qui se remet sur son pied droit, le défenseur est parti, Rooney la frappe, oulolololol, il était à ça de marquer dans son ancien jardin. Et attention avec l'entrée maintenant d'Anthony Martial à la place de Jesse Lingard. José Mourinho fait clairement le choix de l'offensive dans cette fin de match. Il reste 30 minutes à jouer. Bon retour de Sigurdsson sans faute. Coleman, le long là-bas sur Bolasie. Qui remet ce Sigurdsson? Qui a vu Wayne Rooney? Qui passe les bras? La frappe! Oh, c'est contré en corner encore une fois par Lindelof. Et Zlatan. Zlatan qui rentre à la place de Lukaku. Leighton Baines là-bas sur la gauche peut-être. La frappe de Leighton Baines. Oh le poteau! Le poteau! Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé quelque chose. Voilà, là on va essayer de revoir tout ça au ralenti. Je bafouille. L'émotion est tellement grande. Leighton Baines qui s'avance. La frappe était bonne. Oh, elle a été touchée cette frappe. Les trois changements habituels. Sigurdsson, Bolasie et Miralas qui sortent. Sandro Barkley, Calvert-Lewin qui rentre. On va essayer de tuer le match. On se contentera du 1-0, mais si on peut faire mieux. Lindelof qui relance, attention les dernières minutes. Williams, super Williams, et la bonne sortie. Oh là non, j'ai fait n'importe quoi. Attention, pas perdre là-dessus. Oh là 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 là, la grosse faute de Keane. Ça offre un très bon coup franc à Manchester United. Il reste 4 minutes à jouer. C'est crucial. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux? Est-ce qu'ils veulent jouer tout seul? Rashford, il le joue tout seul. Ça passe au-dessus. Oui, maman. Ça passe au-dessus, j'ai l'impression que ça passe largement, voilà, au-dessus, à côté. Rien à garder là-dedans, rien à garder. Calvert-Lewin, ça c'est bien joué.
Schneiderlin qui change la base sur Barclay qui est tout seul. Sandro, la perd pas, voilà. Barclay. Oui! Allez, Ross Barclay pour tuer le match. Ici à Old Trafford, Ross Barclay, voilà! Et voilà, 2-0! Le but du diamant brut, Ross Barclay à la 92e minute. Et ce but de Ross Barclay, frappe croisée, petit filet. C'est parfait de la part du milieu offensif. Alors, on avait dit qu'il y aurait des contres, ils ont mis la pression. On a su s'en sortir et c'est fini. C'est fini, 2-0. Grosse victoire à Old Trafford de la part des Toffees. Et ça nous fait une 5e victoire d'affilée pour 5 matchs joués. On rejoint Arsenal en tête du championnat. On a la réception des Queen Park Rangers en Coupe de la Ligue. Toujours, je vais simuler le match. Hein. Comme le premier, c'est pas une priorité dans le championnat. On joue à domicile, on devrait pouvoir s'imposer. J'ai mis l'équipe B. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on simule tout ça. Eh ben, ça passe au tir au but. Par contre, Lookman s'est blessé, ça m'embête légèrement au bout de la 8ème minute. Ouais, donc ça va être grave. Ok, on a l'info pour Lookman, il s'est blessé, il sera out 2 semaines. C'est bon, c'est largement jouable pour nous. Et on est parti pour le 2ème match de cet épisode avec cette fois-ci la réception de Bournemouth. Et la composition de Bournemouth avec Begovic, l'ancien gardien de Chelsea dans les cages. Smith, Cook, Ake et Daniels en défense. Ibe, Sermon, Arthur et Pugh sur la gauche au milieu de terrain et devant King associé à l'infatigable Jermaine Defoe. Encore là, toujours là. Ils ont un sacré bon aussi, il va falloir faire attention. Nous, pas de changement, c'est la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne tous ses matchs, exactement. Et c'est parti pour ce match de championnat. Son Pugh, il est passé là-bas, sur le côté gauche. Tout mon centre pour Joshua King. Oh là 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 là. Terrible. Terrible et magnifique ouverture du score de Bournemouth. Et là, on est puni. Puni sur la première action. Très bonne passe dans la course. Williams qui n'arrive pas à couper. Frappe placée, premier poteau. Imparable. Imparable pour Pickford. C'est bien récupéré avec Sigurdsson. Rooney, il a personne. Il attend. Sigurdsson qui est passé. La frappe de Sigurdsson qui passe à côté. Oh, déjà une première occasion, c'est bien. Coleman qui va essayer de monter. Avec la gonfle. Il est passé. Coleman, il est passé une fois, deux fois. Rooney pour Sigurdsson. Le 1 partout. Et voilà, l'égalisation de Gylfi Sigurdsson. On l'avait dit. Pas le temps de gamberger, pas le temps de douter. On vient directement dans le match. Alors, on va voir la bonne montée de Coleman. La passe de Rooney. Sigurdsson, le contrôle peut-être un peu long, mais ça suffit pour marquer derrière. Sigurdsson avec Ghana de nouveau. Rooney, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Wayne Rooney? Un passement de jambe, la frappe de Wayne Rooney, c'est repoussé par Begovic. Personne pour suivre le rebond derrière. Il se rue à l'attaque, et pourquoi pas finalement. Voilà, ça joue bien du côté d'Everton. Baines. Leighton Baines. Sigurdsson pour Rooney. Pour Bolasie, c'est pas ce que je voulais faire, le poteau. Bolasie de nouveau. Oh là là, il est encore passé, Joshua King. Pickford, oh, super barré de Pickford. Je pense qu'elle est tirée sur lui, mais en tout cas, il est sorti au bon moment, dans le bon tempo. C'est la mi-temps, on a failli se prendre un but juste avant le retour au vestiaire, mais on s'en sort bien avec ce score de 1 partout. L'égalisation de Sigurdsson qui vient répondre à l'ouverture du score de Joshua King. Il va falloir faire mieux en deuxième mi-temps pour pouvoir prétendre aux 3 points de la victoire. Défaut. Oh là, il est passé dans le dos, Stanislas, attention. Attention, au deuxième poteau là-bas, il faut quelqu'un. Belle intervention de Williams. Ouh, la bonne intervention de Ghana Gueye, et c'est reparti avec Bolasie. Ah, il a pris la tangente, l'axe s'est ouvert pour Yannick Yala Bolasie. Le sprint, oh le poteau encore, mais c'est pas possible, combien de monde on met par épisode là? C'est pas fini, Coleman, deuxième poteau, à chaque fois je le fais, ce centre, jamais il marche, jamais. Ghana, Sigurdsson, le bon 1-2, ça c'est bien, oh là 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 là, toujours un pied qui traîne pour nous stopper. Ça devient rageant, mais ça va passer. Rooney qui a fait l'appel, mais pas assez tranchant. Rooney pour Sigurdsson. Il y a une grosse frappe, Sigurdsson dans les bras de Begovic. Attention, Rooney, la frappe de Rooney. Encore l'arrêt de Begovic. C'est pas bien, je force les choses. Ça va venir naturellement. Il faut prendre son temps. Ça va venir naturellement comme sur une grosse frappe de Sigurdsson. Et encore l'arrêt de Begovic. Il est incroyable celui-là, Bolasie qui récupère avec l'effet, oui.
Deuxième poteau, encore un arrêt, encore une sortie. Ganagay qui remet sur Ross Barkley. Il est en forme, Ross Barkley, en ce moment. La bonne talonnade de Sandro, la frappe de Barkley, c'est contré, Sandro encore. Oh là 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 là. Beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions pour Everton, mais pas de but. Toujours pas de but. On prend tout de la tête. Ils y sont plus du tout, les Cherries. Ils y sont plus du tout. Calvert-Lewin. Pour Rooney. La bonne fin de Rooney. Sandro qui se retourne, la frappe en pivot. Le but. Le but de Sandro. Qui vient nous libérer. C'est ça qu'on voulait depuis le début. Et c'est Sandro, encore le super sub, qui nous sort de la mouise. La fin de Rooney, la récupération de Sandro. Et la frappe en pivot, magnifique. Magnifique cette frappe en pivot de l'attaquant espagnol. Attention à ne pas se déconcentrer dans les dernières minutes. Piu, sur le côté gauche, Keane à la bagarre. Oh là là là, quel talent c'est ce jeune homme. Ok, qui est monté, défaut, oh là là, il l'a vu. Il a vu Callum Wilson qui est rentré. Oh, le bon retour de Leighton Baines, extraordinaire. Extraordinaire retour à la dernière minute pour nous gagner les 3 points. Wouh, c'était chaud, c'était chaud. Bournemouth, hein, qui nous a posé plus de problèmes que toutes les équipes qu'on a jouées avant. Faut rappeler qu'on a quand même joué Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United. On a gagné tous nos matchs, on gagne le match grâce à cet homme, Sandro. Et au niveau des stats, c'est mérité quand même. Même si la possession est égale, ils ont eu 2 tirs cadrés, on en a eu 10. Fallait bien que ça rentre à un moment donné. Hein. Allez, on passe aux entraînements. Peut-être une augmentation aujourd'hui. Et non, bah non, toujours pas. Hein. Et on se retrouve pour le 3e et dernier match de cet épisode de l'Europa League. Le retour de l'Europa League avec ce match face à l'Atalanta Bergame. Je pense que ça va être un autre match hein, que le premier match contre le PAOK Salonique. Par contre, on n'a pas Ademola Lookman, celui qui nous avait mis ce but d'anthologie. Frappe de 25 mètres, poteau but. Là, on récupère Calvert-Lewin sur le milieu gauche, mais on va faire jouer l'équipe B. Hein, pour faire souffler l'équipe A. Et surtout, bah, l'équipe B nous a donné satisfaction du premier match, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà, dans l'axe. Freuler, il s'arrête, il se retourne. Oh, il a vu Gomez, la sortie de Pickford et l'arrêt encore. Oh là 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 là, il prend le rebond. Il prend son propre rebond et le met au fond des filets. Ça fait 1-0. 1-0 pour l'Atalanta Bergame. 15 minutes de jeu et déjà 1-0, on encaisse trop de buts. On encaisse trop de buts en première, après on court après le score. C'est pas bon, c'est pas bon. Si on peut se faciliter les matchs, c'est mieux. Ross Barkley est bien intercepté. Calvert-Lewin. Allez, il va falloir prouver maintenant, mon gamin. Oh là là, ça c'est très heureux. Il est passé, Ross Barkley, la frappe. Oh, le poteau, mais c'est pas possible. C'est pas possible, le nombre de poteaux qu'on met à chaque fois. Ça ne traîne de me rendre dingue. Dingue. On repart avec Calvert-Lewin là-bas, il est rapide, il est grand, il est beau, il est fort. Passement de jambes, il est passé. Le deuxième Lookman. Oh là 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 là, la bonne frappe. Il nous avait fait la même action qu'Ademola Lookman au match précédent. Jagielka de la tête avec Barkley qui joue avec Klaassen. Sandro, Lennon. Il est passé, il passera pas. Il est passé. John Lennon, c'est pas du tout lui. Calvert-Lewin la tête. Oh là 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 là. Encore des occasions, toujours des occasions. Rien que des occasions, mais pas de but. Pas de but pour l'instant. Barkley pour Lennon. Oh, c'est nul, c'est mauvais. C'est mauvais. Purée. Alors, on n'y arrive pas. Hein. 1-0 pour l'Atalanta. Ils auraient même pu doubler la mise. Mais non, on n'arrive pas. On met pas un pied devant l'autre. Défensivement derrière, on galère. Devant, on n'arrive pas à se trouver, j'ai l'impression. On va voir la deuxième mi-temps, voir ce que ça peut donner. On gate avec Lennon là-bas. Sur Sandro, il a vu Barkley. La passe est un peu chanceuse, il se retourne. Barkley. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que cette saucisse? Terrible. Terrible de voir ça en direct à la télé, c'est terrible. La bonne relance pour Klaassen. Et Barkley qui n'accélère pas. Sandro qui récupère, oh là 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 là, c'est poussif, on n'y arrive pas. Et Gomez qui nous met le feu encore derrière, le feu, j'ai cru qu'il avait allumé. Allez, on part sur un changement de système, on va passer en 4-4-2, hein. Bezic qui rentre au milieu de terrain, Vlasic à gauche et Oumarnias devant hein, pour faire la paire avec Sandro. Freuler, attention avec Iličić. Iličić, oh là là, il est passé. Jagielka, faut que tu me sauves. Oh là là, l'arrêt de Pickford qui nous garde en vie. Et je fais nimble derrière. Holgate, sublime. Sublime, mon garçon. Je sais pas qui l'a donné. Oumarnias.
Allez, Bézit, faut le prendre, cet espace-là. Oh là là, ils restent tous derrière. Ils restent tous derrière. Oh la belle face. Oh le... Ah oui, bien Holgate. Holgate qui me fait un match de fou encore une fois. Gnas, c'est bien passé pour Sandro. Allez, au moins sauver un point. Oumar Gnas. Allez, voilà. Voilà ce qu'il nous faut. Du bon coaching et du talent. Super but d'Oumar Gnas, superbe remise de Sandro. Un partout. Ouh, on respire. La bonne passe dans la profondeur, Oumar Gnas. Rat-terre, imparable dans ce FIFA, tout le monde le sait. Frappe à rat-terre, but pépère. Ouais, on la valide, on la valide. Et c'est fini, match nul un partout, hein, contre une équipe de l'Atalanta Bergame qui nous aura posé beaucoup de problèmes. On aurait pu le perdre. Alejandro Gomez qui nous a fait un gros match encore. Eh oui, je sais, c'est triste, mais c'est déjà la fin de ce troisième épisode. J'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi... Ça, c'est une manette à 60 euros. J'espère que vous vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, beaucoup. Encore merci pour tous les j'aime sur les vidéos, sur les posts Facebook. Ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer. Et puis, voilà, on va essayer d'accélérer le rythme un petit peu. Sans trop se forcer non plus. Hein. On n'est pas aux pièces. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Vous connaissez la procédure. Je vais pas vous faire la morale. Hein. Mais j'en vois deux ou trois dans le fond qui sont pas encore abonnés. Faites attention quand même. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et comme disait William Shakespeare, à plus.